Eh bien bonjour tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur le DLC de Little Nightmares. J'espère que vous allez bien, j'ai rechargé ma partie, je crois d'ailleurs que je dois relibérer mes petits noms là, mes petits Pichoun. Parce que c'est vrai que je les ai pas appelés Pichoun la dernière fois, sort de là. Pichoun c'est le surnom que je leur avais donné lors du Let's Play, pas lors des DLC. Je les avais un petit peu oubliés, hein. Mais c'est pas grave, on vous aime quand même. Voilà, Kalinou. Donc, on est toujours en train d'essayer justement de rassembler ces gnomes. Il y en a un qui était parti par là. Voilà. Viens avec moi si tu veux vivre. Je t'apporte la vie. Et ces gnomes nous servent à alimenter la forge. Ou du moins l'espèce de chaudière. J'appelle ça une forge, mais c'est peut-être pas une forge en soi. Qui, à mon avis, me permettra de grimper à l'étage supérieur. Dis donc, toi, pourquoi tu ne me suis plus? Viens. Je sais pas si je peux les jeter. Non, c'est beaucoup trop haut. Hein. On va simplement continuer sur la droite, là. Il y a l'échelle. J'imagine qu'on peut ouvrir la porte de l'autre côté. Comme ça, ils me suivront. Et il n'y aura pas de souci. L'épisode précédent s'est plutôt bien passé. Hein. On n'a pas eu beaucoup de dangers. Du moins, on les a esquivés assez facilement. Voyons voir si aujourd'hui... Alors, ça, c'est beaucoup trop haut. C'est beaucoup trop haut. Est-ce qu'aujourd'hui ce sera pareil? Est-ce que je peux attraper ça là? Alors, ça n'a pas du tout ouvert ma porte. Faut que je remette les trucs. Voilà. Je peux quand même passer à droite là. Hein. Ah mais lui il marche plus. Faut peut-être que j'en trouve un nouveau. Voilà, le fusible a pété. Allons à droite. On va allumer un petit peu. Oh, comme c'est sombre et ça fait du bruit dégueulasse ici. Bonjour. Chut. Ah, j'entends respirer. Je peux allumer, il est aveugle. Il est aveugle, rappelez-vous, il est aveugle. Où est-il? Il est tout proche. Je sais pas si je dois marcher. Il est là. Oh! Adieu monde cruel, on s'est fait choper. Très bien. Je sais pas si je dois marcher justement plutôt dans le charbon pour pas faire de bruit ou plutôt sur le sol. Encore une fois, j'appelle ça du charbon, je sais pas si c'est vraiment ça. Est-ce qu'il faut refaire ça? Voilà, de toute façon, je pense qu'il m'en faut un nouveau là-bas. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Pour essayer de comprendre ce qu'on doit faire parce que... Ah, le truc c'est qu'il faut pas... Là il m'a clairement entendu mais en fait j'aimerais comprendre un petit peu. Allez, je peux aller à droite. Fonce, 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 fonce. Le problème c'est qu'il y a des trucs au sol qui font beaucoup beaucoup trop de bruit. On va y aller mollo. On va pas marcher dans les trucs qui croustillent là. Et on va simplement s'accroupir et y aller tout doucement. Bonjour. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Allez, on passe tranquille, tranquille. Ah, mais ne me suis pas comme ça, écoute. Ok, ok, on va pouvoir passer, on va pouvoir passer, on va pouvoir passer. Attention aux trucs qui croustillent, là, on sait qu'il y en a ici. Voilà, ok.
Là, ça croustille ici, vous voyez, doucement. Il me suit, hein. On passe dessous. Il y a un truc qui a bougé à droite aussi. Il s'approche, il s'approche, il s'approche. Je sais pas trop où je dois aller, où je dois me rendre. Peut-être là. Il est tout à côté là. Il est tout à côté. Chut. Où est-ce que je dois me rendre? C'est ça, vite à vie, tranquille. Non, 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 non. Ok, il s'éloigne un petit peu. Est-ce qu'il faut pas que je grimpe là-dessus, là? Tu fais des bruits dégueulasses, monsieur. Tu fais vraiment des bruits dégueulasses. Attention, il y a des trucs qui croustillent, là. Je pense qu'il faut que je marche sur l'estrade. Il y a une espèce de petit escalier, là. Il doit y avoir un truc. Oh! Tu ne m'as pas entendu, tout va très bien. Tout va très très bien, monsieur. Chut. Là, je peux grimper, je peux grimper. Ah, il a ses bras qui arrivent! Vite! Ah, tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On se calme, tout va très bien. Tout va très très bien! Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Je peux m'agripper là-dessus, c'est beaucoup trop haut. Peut-être grimper par là. Non, 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 mais je veux pas retourner là-bas. Non, 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 je veux pas retourner là-bas. On va fouiller, on va fouiller. Allume ta lumière, que je puisse voir un petit peu mieux. Tranquillement, là, parce que c'était un peu stressant. Attends, mais tu peux pas l'attraper et tirer? Oui, voilà, d'accord. Ah, ce bruit des ténèbres des placards. Oh, les cris des ténèbres des placards, quoi. Limite, ils font plus flipper que le... que le monstre. Tout va bien. Ça m'a un petit peu stressé, là, du coup, hein, cette légère phase... avec monsieur. Voilà. J'espère que je n'ai pas raté une bouteille, parce que pour le moment on était plutôt bien parti pour tous les trouver. Alors faut que j'aille... Ah, faut peut-être me pendre à la lumière. Oui, voilà. Ok. Oh! Putain, mais... j'ai peur de rien, là! Hé, dessous, vas-y! Voilà. On descend pépouze. Pas la peine de se... de s'éclater en bas, hein. On va aller là, d'accord? Ya! Ouf! Tout se passe très bien! Tout se passe très bien! Je veux dire, no stress. Ah, regardez ce qui... regardez qui voilà. Alors, faut que je grimpe là-haut. Chut, fais pas de bruit avec ces machins-là, hein, s'il te plaît. Ouvre le tiroir. Voilà. Je vais tous les ouvrir parce que j'adore les tiroirs. Magnifique. Non, 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 maintenant tu dois sauter dessus. Voilà.
Et je te fais un magnifique escalier tiroir. Oh. Et un tiroir qui s'ouvre tout seul, c'est plutôt sympa aussi. On aime? On aime pas? Je ne sais pas. Lâche. Tire. Ah bah lui il se tire pas. Ok. Il va tellement nous entendre et venir nous choper là. Ça va pas tarder. Ok, bon j'ai mon espèce de fusible. Encore faut-il que j'arrive à ouvrir ça. Est-ce que je peux tirer quelque chose? Comment je vais ouvrir ce truc? À moins qu'il y ait un tiroir qui s'ouvre en grand. Ah mais peut-être la caisse qui est là-haut. Attendez, on va... Je vérifie qu'il n'y a rien en bas. Peut-être la caisse qui est toute... Non mais ferme pas ça. Voilà. Voilà. Tu vas mollo. Et ça par hasard, tu veux pas le pousser? Non, il le pousse pas. Sinon, faut faire un bruit pour que monsieur vienne ouvrir. Mais bon, il n'y aurait pas un bouton. Aïe. Ah mais non, c'est très simple. Je suis bête, j'avais oublié qu'on pouvait faire ceci. Voilà, et nous avançons dans la joie, la bonne humeur. La bonne humeur. La bonne humeur. Oh, il est de l'autre côté de la table, c'est parfait ça. Ah, c'est parfait là. Trop bien, trop bien. On passe tranquille. Il fait un petit demi-tour, mais on passe complètement tranquille. On y va trop. Tout va très bien. Croustiller, croustiller. Il va nous entendre parce que ça croustille juste devant la porte. Hein. Merde. Attention parce qu'il va y avoir les bras. Les bras, j'ai peur. Ah, j'ai laissé mon truc devant. C'est bon. Ok, du coup... Cette porte ne s'ouvre pas du tout, quoi. Ah, mais attendez, mais si, je pouvais l'ouvrir. Ah bah non. Bon, je ne sais pas encore comment ouvrir cette porte. Je vais simplement aller là. Et partir vers d'autres cieux. Voilà. Oh, mais il y a plein de monde ici. Attendez, je dois redémarrer la caméra. Tout se passe bien, voilà. Ah là, ça c'est sympa, ça. Les toilettes. Par où vous êtes passé encore, vous? Non, pas la chaussure. Je m'en fiche de la chaussure. Là-haut, il y a un singe. Il nous observe. Et là, vous avez les magnifiques toilettes, quoi. Je peux pas prendre cette caisse? Non, il veut pas prendre cette caisse. Ah mais non, il y avait un passage là. Eh oui. Ah, je t'entends. Tu es enfermé. Voilà, tu es enfermé dans le placard. Viens donc. Oh, vous êtes deux. Venez. Viens, je t'aime, regarde. Voilà. De l'amour pour un. De l'amour pour deux. De l'amour pour tous. Où es-tu passé, toi? Il est là. Eh, où tu crois aller là? Non, tu vas pas... Non, on va pas jouer à ça longtemps, hein, je vous préviens. Je crois que je l'ai eu. Oui, je l'ai eu, voilà. Ok. Bon, j'en ai deux, puis il y en a un troisième qui dessine. Ah mais là, encore une fois, ça me fait vraiment penser au voyage de Chihiro, et toujours dans la même salle là, avec le vieux... comment il s'appelle? Oh, je sais plus comment il s'appelle. Mais bref... Là où il a plein de petites herbes dans les tiroirs, comme ça, il y a tous ces petits machins. Ça ressemble tellement à ça. Ça ressemble tellement à ça. Ah bah alors là, c'est bien raté, ça. Ça, c'est bien raté. Je pense que je peux tout simplement...
peut-être passer par là. Je me fais mon passage à moi, voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose ici. Mais s'il y a quelque chose là, je le saurai. Attention, verdict. Ah! Il y a ce truc dégueu. D'accord. Bon, très bien. Je monte là-dessus. Voilà. Hé, hey, t'as fermé mon placard. Là. Je monte là-dessus. Le problème, c'est que il ne veut pas se déplacer. Non! De manière latérale. En fait, il veut pas tout simplement grimper sur ces trucs là. Mais si, il y a clairement quelque chose là-haut, mais arrêtez de me prendre pour un jambon! Je n'aime pas être pris pour un jambon! Tu vas là. Voilà. Sauf que c'est pas le but. Là-haut, on va trouver une magnifique. Mais non! On va trouver une bouteille. Trouve la bouteille. Le but, c'est d'aller sur le truc qui roule et que mes amis les pitchounettes. Voilà, cette fois il y va latéralement. Le pouce. Mais là, là nous allons trouver une bonne bouteille de vie. Je le sens bien, oui, magnifique, magnifique. Ok. Je crois qu'on est à 4 sur 5 en bouteille. Maintenant, tu la casses. Et maintenant on fait le vrai truc. Ok. Donc il faut que mes petits amis poussent. Ah! Je ne suis pas mort, tout va très bien. Vous là, laissez ce placard tranquille. Et toi aussi, d'accord? Voilà, tu me suis gentiment. Il va falloir que vous poussiez ça, d'accord? Donc... je suis pas sûr de moi en fait hein. Peut-être que si je me mets dessus ils vont accepter de tout simplement pousser. Donc je vais monter. Bougez pas. Je vais me mettre dessus tranquille. Eh non non non, pars pas toi. Là je suis dessus. Les amis. Les amis. Ok, je vais tenter autre chose. Non mais non mais. Pas possible ça. Alors peut-être que je me suis trompé et qu'ils vont pas m'aider, mais je dois bien pouvoir m'accrocher à un des tiroirs à ce moment-là et passer par au-dessus. Arrêtez de me pousser là. Voilà. Mais non, mais il veut pas. Peut-être que je me prends la tête. Là, tu veux bien aller sur le côté. Mais voilà, il veut bien y aller sur le côté, là. Tout à l'heure, il voulait pas... Côté, côté, côté. Mais voilà. Alors, à quoi sert ce truc qui roule, là? Mince, je peux pas monter plus haut parce que le tiroir est un petit peu ouvert. Non, mais t'es sérieux, là? Il veut pas monter plus haut? Mais t'es incroyable, toi. Attends. Calme-toi. Tu descends, tu vas à gauche. Non, ou tu montes? Oh là 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 là, il veut plus faire du tout ce que je veux. Voilà, là tu vas à gauche, tranquille. Tranquille. Tranquille, là tu remontes. Voilà. Et là tu vas à droite. Il veut pas aller à droite. Mais t'es un sacré petit emmerdeur, toi. Que voulez-vous que je fasse, là? Il veut pas aller à droite. Il veut pas aller à droite, je peux descendre et aller à droite là, mais après... Hé, tu veux encore y aller là? Tu veux aller dans le trou? Écoute, je te mets là. Attends, limite un tout petit peu comme ça. Si tu veux bien rester dans le coin là. Parce que le truc il roule pas à l'infini en fait. Il reste un petit peu là où il est content. Donc si... Je vais là où j'étais. Non! Monsieur le placard. Hop là. Ok.
de l'autre côté, s'il te plaît. Ok. C'est bon, on y est. On y est. Coucou, toi. Arrête ton dessin. Et viens avec moi. Hop. Bon, maintenant qu'on est trois, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Parce que c'est bien gentil d'être trois, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Ah, oui, c'est vrai, il y avait ça. Venez avec moi. Je vous envoie. Hop. Ok, il m'en faut encore. Hop. Allez, vas-y. Voilà, un petit dernier. Et voilà. Vous venez avec moi ensuite, hein. Génial. Bah génial, je retourne à gauche pour rien, là. Bah, ça m'arrange pas du tout, votre histoire, là. À quoi bon? À quoi bon? Ah mais non, j'aurais dû tirer cette magnifique caisse. Voilà. Encore un tout petit peu. Oui. Voilà, et mes amis sont là. Ils sont bloqués parce qu'ils sont un peu cucu, mais ils sont là. Et après, je peux les jeter, je pense, dans l'ascenseur. Venez, n'ayez pas peur. Voilà, il y en a un qui est passé. Si je te mets là-haut, tu bouges pas, hein. Ah bah non. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Les gars. Toi aussi, là. Allez. On a un chien. Viens là. Ok. Vous pouvez bien aller dans l'ascenseur, là, que je vous emmène avec moi. Ah bah là, lui, il bouge pas. Lui, il est bien poli. Toi, t'es un mal élevé. Ok, et du coup, je pourrais les lancer sur la manivelle, sur la manette, pour ouvrir. Et du coup, c'est bon. Je pense qu'on a fini ce côté-ci. On va pouvoir grimper dans la forge. Venez donc. Voilà. Là, j'en ai 5, en fait. J'en ai 3 ici et 2 dans la salle d'à côté. Perfect. Allez, viens. Reste pas pendu là-bas, hein. Viens vite. Voilà, ok. Parfait, on a des nouveaux petits esclaves pour aller au charbon. Et je pense que cette fois, l'ascenseur de charbon devrait fonctionner. Ça suit derrière. Vous êtes lent, hein. C'est bon, ça y est, ils ont vu. Là, ils ont vu. Oui, on va pouvoir prendre du charbon. Vite, je me mets dans l'ascenseur magique. Merci à vous! Merci! Je ne reviendrai jamais, mais je vous aime! Alors la question maintenant, c'est où est-ce qu'on va? Est-ce que le DLC est terminé? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Oh là, va falloir sauter, hein, je te préviens, parce que sinon on va cramer! À moins qu'il y ait une bouteille à prendre, une bouteille en hauteur, non, je ne sais pas. Saute. Ok. Ça fait beaucoup de bruit ici, hein. Va à droite. Oh, coucou, toi. J'arrive. De toute façon, il manque une bouteille, ce qui veut dire que le DLC n'est pas tout à fait terminé. Eh, je crois que je suis déjà venu, là. Ça me dit quelque chose. Je ne sais pas si on va revoir Six, parce qu'on l'a déjà vu. Enfin, on voit que notre aventure est un petit peu en parallèle, hein. Pas forcément qu'un petit peu, d'ailleurs. C'est trop lourd, ce machin chose. Nom. Ah, tu es là. Oh, mais il y en a plein. Vous êtes super nombreux.
C'est vraiment des Pikmin, hein. Tous à l'oignon. Je sais pas trop ce que c'est que ces créatures, quand même. Hein. Viens avec moi. Viens, 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 viens. On va à droite, on va trouver tes copains. Oh là 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 là. Oh mais regardez, il y en a de partout. C'est leur petit nid, là. Il fait chaud, il fait douillet. Il y a des petits jouets. Il y a des poupées flippantes. Il y a des dessins. Et vous êtes nombreux, là. Est-ce qu'on trouverait pas notre dernière bouteille dans le coin? Je fouille un petit peu. En hauteur, peut-être, non? Peut-être que je l'ai ratée, hein, cette bouteille. Hein, ce n'est pas impossible. De toute façon, il faut grimper ici. Il y a une petite ambiance triste, quand même. Hein. C'est pas forcément très joyeux, là. Ils essayent de survivre, ici. Voilà. On est sur un ascenseur. Ah. Oh, vous vous rappelez? Ok, ok, ok. Donc là, on est encore avant que Six ait fait ce qu'elle a à faire à la fin du jeu principal. Et ça s'arrête là. Ok, donc j'ai bien raté une bouteille en plus. Ouais, ça s'arrête là. Ok. Voilà pour ce deuxième DLC sur Little Nightmares. Il va y en avoir un autre, apparemment en janvier. Donc peut-être que... Je sais pas s'il y en a après janvier, mais en tout cas... Là, ça devrait... Oula. Ça devrait compléter un petit peu cette histoire. Je pense qu'on va comprendre un petit peu... ce que fait ce petit garçon en même temps que Six. Je pense que les deux histoires vont se rejoindre... dans le troisième DLC qui apparaîtra en janvier. Et j'ai hâte de savoir le fin mot de l'histoire, quoi. J'ai vérifié quand même, mais il me semble que nous avons... Non, c'est pas dans les bonus, pardon. C'est dans la sélection des chapitres. Il me semble que nous avons que 4 bouteilles sur 5. Donc si vous le faites de votre côté... Ouais, 4 sur 5. Je sais pas où est-ce que j'ai raté la dernière. Je suppose que c'était vraiment dans les derniers écrans, là. Ici, j'en ai vu que 3. Je pense que c'était vraiment dans les derniers écrans et je suis peut-être allé un petit peu trop vite. Ma foi, ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver un petit peu cet univers. On se retrouvera du coup en janvier pour voir la suite. C'était des DLC un petit peu courts, mais si vous n'avez pas vu le jeu complet, allez voir le jeu complet. Il est un petit peu court aussi, mais un petit peu plus long quand même, voilà. Il fait je crois 5 épisodes, plus le premier DLC de 2 épisodes. Donc allez le voir si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour un autre jeu. Si vous avez des jeux un petit peu dans ce goût-là, un petit peu glauque ou un petit peu... stressant, un petit peu sombre, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle expérience. Des bisous, bye bye.